Strasbourg a le même climat que Lyon en 1970. T'as peut-être raté cette info cette semaine. Depuis le 28 juin, Météo France utilise de nouvelles normales climatiques. Elles sont calculées sur une période de 30 ans. Elles permettent de rendre compte de l'évolution du climat sous les effets conjugués de sa variabilité naturelle et des activités humaines. Et elles servent de référence pour analyser les événements climatiques en temps réel. Tu vois dans le bulletin météo quand on te dit « Demain il va faire 30 degrés à Bordeaux, c'est 5 degrés au-dessus des normales de saison ». Bah en fait c'est ça. Ces nouvelles normales climatiques ont été calculées sur la période 1991-2020 et elles remplacent celles sur la période 1981-2010. Mais si on compare les normales climatiques sur la période 1961 à 1990 avec celles sur la période de 1991 à 2020, eh ben on s'aperçoit que Strasbourg a le même climat que Lyon en 1970, Lille celui de Rennes et Châteauroux celui d'Agen. Sinon le mois de juin 2022 est le mois de juin le plus foudroyé depuis 1989. 180 000 éclairs nuages sol relevés au 23 juin. Et tout mois confondu, le record est de 374 000 éclairs, c'était en juillet 2006. Sinon, le 28 juin, on a relevé 40,4 degrés à Knin, en Croatie. Et c'est le record national pour un mois de juin. Le même jour, à Tozeur, en Tunisie, on a relevé 48,7 degrés, une valeur qui égale le record national de juin. Toujours le même jour, en Italie, le Vatican a connu sa journée la plus chaude de son histoire avec 40,8 degrés au thermomètre.